Hey, 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 cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du richissime archéologue. Oh non! Oh my god! Eh, vraiment, je savais pas du tout qu'il y avait les aurores boréales là qui allaient se popper. Je suis choquée! Je suis choquée! Oh my god, c'est beaucoup trop beau. Ok, on commence l'épisode d'un truc. C'est superbe quoi. Voilà. Ouais, juste pour le plaisir des yeux, hein. C'est beaucoup trop beau. Je m'y attendais pas! Du tout! Oh là là. Puis qu'est-ce que c'est mon rêve de les voir en vrai en plus. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'elle me fait la gourgandine? Pourquoi elle m'a fait plein de gâteaux? Mais elle a un petit souci, non? Ou t'es accro au sucre, ma cocotte? Ou qu'est-ce qui se passe? Allez! On se réveille de bonne heure et de bonne humeur, mon petit Ayoa. Bah, tiens, tu vas me faire des longueurs pour commencer. Hein? Ça colle bien, je trouve. Bonne humeur, bonheur. Elle ne dit pas qu'elle est encore en train de faire un gâteau. Non, mais à bout d'un moment, ça va bien faire. Voilà! Voilà, rien de mieux qu'un bon plongeon et de les bonnes brasses là. Ah non, continue, tu vas me faire des longueurs, mon coco. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Non, on s'en fout de la neige. On s'en fout de la neige, Iowa. On va essayer de choper le niveau 8 dans cet épisode. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Un petit objectif. Voilà, ça réveille tout ça. Et un petit peu de jardinage aussi. Oh, ça va monter tout doucement. Mais c'est toujours ça de pris. C'est bien, c'est qu'on monte tout en même temps à peu près au niveau des compétences, donc c'est bien. Non, mais la meuf, elle m'a fait 5 gâteaux. C'est flippant. Tu vas pouvoir prendre un morceau et puis le reste, bah. Faudrait que tu ranges tout parce que sinon ça va plus être bon. Et puis, bon. Au cas où, je sais pas, elle avait peut-être. Elle voulait vraiment fêter un truc, hein. C'était pas possible. Hein. Petite chose aussi. Ah, super, tu vas t'entraîner à écrire au lieu de faire le glandu là. Parcourir des œuvres d'art, à la limite tu peux, mais je préfère que tu commences à écrire, puisque dans son aspiration, il faudra à un moment donné qu'il écrive un livre sur l'archéologie, donc on va commencer un petit peu à faire ça. Et puis de toute façon, avec la prochaine aspiration de extrêmement riche, hein, voilà, je pense que je vais lui faire écrire beaucoup de bouquins d'ailleurs. Mais bien sûr que sur l'archéologie, parce qu'on n'a pas le droit d'en faire sur autre chose. C'était un niveau 2 déjà de la compétence écriture. Allez, un métal lourd, c'est bien. Pièce de robot tout, mais il va nous faire un peu la chasse, bon, la chasse aux objets, aux rochers, tout ça, comme d'habitude quoi. Alors pendant qu'il est de retour en train de nager, qu'est-ce qu'on a récupéré? On a récupéré 3 fossiles. Tu vas pouvoir les extraire. Bon, rien de neuf, c'est dommage. Et puis on a découvert un métal lourd qu'on pourra envoyer au conseil de géologie. Une fois sorti de l'eau, et puis celui-là aussi, tant qu'à faire. Bon, en tout cas pour l'instant, rien de neuf. Eh bien, on est presque au niveau 8 hein, de fitness. On est à 93% du niveau 7. Donc, on est plutôt bien. Ah, mon chou. Ah ouais, il est un petit peu claqué. Écoute, tu vas aller manger, tu vas aller te prendre une douche, tu vas aller aux toilettes et tu iras dormir. Oh, il va tester la petite baignoire. Baignoire Jacoucou, hein. Baignoire à remous. Par contre, ouais, il a éteint les lumières. Ce débile, il dort. Ah, oh, ça va, t'es pas si fatigué. Au moins, ça le détend, c'est déjà ça. Il y a un si beau spectacle quand même maintenant au-dessus. Bah oui, l'empreinte écologique est hyper positive sur l'île. Bon, j'ai rien fait pour, hein, mais quel bonheur. Oh, ça y est. Ça y est. En fait. Voilà, ça fera plaisir à. Je sais qu'il y en a qui aiment un petit peu quand Iowa danse la simrumba. Oh là là, oh là là, c'est déhanché. Oh, ce boule qui frétille. Ouh là 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 là, sexy lady ou sexy boy. Oh là là. Oh oui. Oh oui, la musique se prête pas du tout, mais bon, il y a des gestes qui sont un peu chelous, mais il le fait très bien. En fait, il suffisait que le poste soit droit sur la table et pas de biais. Et du coup, maintenant, il peut danser la simrumba. Voilà. Toujours un peu de fitness et de pistouche parce que bon bah il adore ça. Et là on va taper dans le niveau 8. Ça va être bien ça, je suis contente. Et yes, niveau 8 de la compétence fitness. GG Iowa, je pensais vraiment pas que tu y arriverais un jour. Donc, eh bah t'es le plus fort et t'es le plus beau en plus.
C'est vrai que j'avais Adorer, zappé que non c'est faire seulement parler à une adorer, plante même lui faisait toi, remonter son une social, parce que les plantes sont grande. très bavardes, ça on le sait, en tout cas elles sont d'une très très belle écoute, Scribble mais your move, qu'effectivement ça fait Schrödinger, augmenter aussi son Ovary jardinage, donc il va beaucoup swims, parler aux plantes, hein, moi je vous le dis. Pompa, La petite chasse aux petits... Bah, tous les bazars là, je fucker. sais pas quoi, les rochers là. D'ailleurs, j'ai pas regardé ce qu'il avait reçu. Il a reçu trois nouveaux éléments. On a reçu un crâne à authentifier. Bon, ça, c'est ce qu'on a trouvé. On a reçu la piste de danse en carton. Mais c'est génial. Pour les éléments, on va. Eh ben, celui-là, il ne sert à rien. Celui-là, il sert à rien. Et celui-là, il sert à rien. Donc, je les vends tout de suite pour éviter de les garder et de les confondre avec d'autres. Bon, je perds pas le vue, hein. Dans le tableau ici, il en reste deux. Bon, il en restera un petit peu plus dans la vraie collection, mais bon, on croise les doigts un jour, peut-être. Et un niveau 3, déjà de la compétence écriture, c'est super. Tu vas pouvoir aller te doucher un peu, penser un petit peu à toi, hein. Sois un petit peu en avance, mais pas trop trop non plus, hein, dis. Il faut que tu prennes soin de ton petit cul d'amour. Puis aussi un petit peu de logique là, parce que c'est le seul truc qui pêche un peu. On est à peine au niveau 7. Les autres, on est presque au niveau 8. Lui, il est à peine au niveau 7. Donc on va essayer de... Bon, bah là, après, il va se coucher, hein. Mais il faut aussi qu'intellectuellement, il soit bien rempli, hein. Il n'y a pas que les muscles et le pantalon qui comptent, hein. Bon, il avance bien, mais il est 2h30 du mat. Allez, je t'autorise à être couché, mon beau. Allez, ce matin, on va taper dans un des nombreux gâteaux que Erika nous a fait. Ah bon, au moins, elle va le nourrir pour un certain temps, là. Mais parler aux plantes, c'est vraiment le best deal, hein. Surtout pour le social. Oh, ça y est, on va taper le niveau 8 en jardinage. Bon, voilà, s'il fallait qu'il s'adresse à la plante, au moins c'est validé. Youhou! Et le petit plongeon du jour, parce que en gros, ça lui fait presque 10% de fitness à chaque fois. Donc c'est vraiment très intéressant en fait la piscine. Voilà. Oh bah son poste il a cassé tout seul. Faudrait que tu le répares. Voilà. Ça te fera tes skills en bricolage. C'est pas utile, mais c'est pas nécessaire, je veux dire, mais c'est pas grave. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il va faire que des. On va le voir qu'en petit maillot de bain faire toutes ses activités bientôt. T'es sérieux? Il écoute des berceuses, quoi. Radio berceuse. On va remarquer pour qu'il se concentre à écrire, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas là-dessus que tu vas nous exciter, mon petit, hein. Bon, eh ben c'est parfait. 1h15 du matin, t'as fini de parler à tes plantes. Tu te sens bien, eh ben tu vas être couché. Voilà, tu iras te coucher un peu plus vite que la veille. J'aime tellement cette tenue, ça lui va tellement bien. En tout cas, quand il pleut, il n'y a pas d'aurore boréale. Et encore une nouvelle journée. Les votes sont ouverts. Qu'est-ce qu'on va bien faire de toi aujourd'hui, mon petit Iowa? Peut-être tabler sur un peu de logique. Tu vas t'occuper vite fait du jardin, puis de la logique. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Beau gosse. Mais avant ça, vous reprendrez bien un peu de Sim Roomba? Ah, regardez-moi ça. Bijien. Voilà, il s'y met, il s'y met. Oh là là, baby. Oh là là. Ouais, de dos, c'est pas mal non plus, hein. Quoi? Ça te passionne pas les échecs, mon petit? Bah ouais, mais t'es un peu obligé, là. Pour améliorer ta logique, j'ai pas d'autres moyens. À moins d'emmerder toute la population ou tu leur parleras d'énigmes logiques, j'ai pas d'autres alternatives, mon petit. Bon, on est à 7,5. C'est pas ce qui le passionne le plus, hein. Il préfère vachement plus s'occuper des plantes, parler, les chouchouter et nager dans sa piscine que faire les échecs, hein. Et c'est qui peut le faire, hein. On est monté à 4, presque 90%. Hein, et pour le peu qui reste, tu vas rester scotché à cette table, hein. Et après, on fera le crâne qu'on a reçu là. Mais tu décolles pas de ta table avant, hein. Allez, à 99%. Oh là là, un niveau 8 en logique. C'est tellement long la logique. Mais c'est tellement bon qu'on y arrive. Allez, 100% là. Oui! Niveau 8 en logique. GG Iowa, you are the best, you know. Allez, maintenant on découvre ça pour le conseil de géologie là. Je sais pas quoi. Non, pas conseil de géologie, mais bon, vous m'avez compris le truc pour ça quoi. Pour gagner à peu près entre 3 et 4 000 simflouzes. Et puis on sera bien. On aura bien avancé ces derniers jours quand même.
Ah, mais je me demandais pourquoi elles s'allumaient pas, c'est parce qu'elles sont cramées, les loupiottes là, les loupiottes. Bah oui, à cause du DJ qui avait pris feu. Ça m'a cramé les loupiottes ici. Bah bravo, hein. Ah! C'est un authentique et on peut le renvoyer et on gagne 4510 simflouzes. Tu sais, tu es vert, tu es petite, tu es nature, mais la vie n'est pas facile pour nous non plus. Même si j'ai deux jambes et je me déplace et que je sais communiquer avec des bruits, avec les semblables, c'est pas si facile que ça, tu sais. Il y a quand même des contrées très lointaines de machins comme moi, deux pattes, on n'arrive pas à les. Voilà quoi. C'était la philosophie selon Iowa. Ouais, je sais que t'es fatigué, que tu commences à sentir. Oh, regardez-moi cette tête d'illuminé heureux. Non, ça va, il a bien travaillé aujourd'hui à Iowa, je suis fière de lui. Oh, comment j'enchaîne les journées avec le pauvre petit Iowa, hein. Franchement. Allez, tu vas pouvoir aller pisser, tu peux aller manger, on va aller s'occuper. Oh là, bah, il y a des choses à faire dans le jardin aujourd'hui. Tu pourras tout désherber. Est-ce qu'il y a des trucs à améliorer? Cliquignotte, non. Bah après, tu pourras tout vendre aussi, tant qu'à faire, et tu pourras discuter après avec les plantes. Bah oui, bah, il kiffe ça. Moi, écoutez, son social commence à descendre. On va en profiter. Mon Dieu, mais je suis en train de réaliser, on est samedi, et dans 2 jours, il peut déjà repartir à Salvadorada. Ah oui, d'accord. Bah ça va être. Ah oui, ça va être rapide du coup, hein. Ouais, bah prochain épisode, on sera à Salvadorada, quoi. Cool, tranquille. Une petite bafouille aux arbres, parce que eux aussi, ils ont droit à leur petit quart d'heure de dialogue. Et puis après, il va nous faire aller des longueurs, et après, il va encore bosser. Oh, entre la logique et l'écriture, je sais pas trop. Il tourne dans sa petite piscine, et il tourne encore et tourne, tournera. Et ça lui fait des beaux petits muscles à ce petit Iowa. Les muscles qui nous plaisent à nous, c'est ça. Mais regardez comme il est de plus en plus habile avec ses petits doigts. Ouais. Allez, à niveau 4 de la compétence écriture. Allez, tu vas pouvoir débarrasser ton assiette et aller faire le petit tour pour chercher les trésors. Fais-moi voir un peu ce que t'as trouvé. Ah, tu m'as trouvé une jonquiste. Ça, c'est bien ça. On va faire exprès nous-mêmes l'extraction de trucs là. Là, non, ok. Tu nous as trouvé un flamantium. Pareil, on va voir si on peut choper nous-mêmes un élément. Au pire, je l'enverrai, c'est pas très grave. 4 fossiles. Ça, c'est pas mal. Ok, super. Allez, c'est parti. Il va essayer de nous extraire un élément de cette jonquiste qui est rare et qui apparemment ben, était plutôt bien parce que nous ne l'avions jamais eu. Voilà, on a découvert un faux zone et pas un boy zone, hein, n'est-ce pas? Ni un haut zone. Mais un faux zone. Et un mélaco. Super. Bah ben, écoute, on va voir ça. On va donc essayer le faux zone et non, il ne marche pas et le mélaco non plus. Je les vends tout de suite comme d'habitude pour pas m'embrouiller avec les éléments. Parce qu'encore à la limite, les cristaux, il y a des couleurs différentes. Mais les éléments, je confonds tout. Et puis, on va ouvrir ça. Voilà, on en a 4. Tant qu'on n'a pas de musique, c'est qu'on les avait déjà. Donc, on n'a rien de nouveau. Voilà. Alors, dans la boîte aux lettres, a priori. Feeble. Good near. On en a reçu aussi, mais je pense qu'il y a rien de nouveau vu qu'il n'y a pas eu la musique. Ça commence à me déprimer cette histoire, je vous le dis moi. Rien, rien, non, rien, et non, rien de rien, je ne regrette rien. Mais j'avais pas vu ce nanar, il m'a cassé la douche. Bah non, hein, quand même, Iowa. Oui, bah t'es fatigué, bah t'étais pas fatigué quand t'as cassé les robinets, hein? Bon. Oh la vache, il est 4h du mat, quoi, presque 5. T'as pu ce complet! C'est la journée de la nouvelle compétence. Bon, je sais pas si on va gagner une compétence aujourd'hui. En tout cas, il va se lever, il va se prendre une douche, un petit pissou, il va jeter ça. Oui, quoi. Arrête de te plaindre, s'il te plaît. Je te fais un programme multivitaminé. Bon, je sais, ça te fait beaucoup bosser, hein, je suis désolée. Mais c'est comme ça, encore tous les gâteaux là. Tu vas pouvoir prendre un morceau de gâtal et. Vas-y, déjà ça, c'est déjà bien. Et en plus, il va faire beau, tu vas pouvoir t'occuper de ton jardin et parler à toutes
les plantes que tu veux. Voilà, tu pourras parler au fraisier aussi pendant qu'on y est. Oh! Ah, c'est quand même. Je l'ai déjà dit, mais c'est formidable. Regardez-moi ce social qui remonte. C'est génial. Bon, c'est dingue. On arrive déjà au dimanche soir. Il a un peu bossé son écriture. On est à niveau 4, bah, presque 4,5. Oh, et on n'a pas encore été faire le petit tour pour chercher des choses. Est-ce qu'on a des trucs à récupérer aussi ici? Non, 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 rien du tout. Bah oui, on est dimanche, donc il n'y a pas le courrier. Évidemment, ah là, il y a des petites choses à creuser, donc on va creuser. Et puis, j'espère trouver des trucs, hein, parce que bon. Je prends les grenouilles, mais parce qu'en fait, ça prend une possible roche ou un calcaire ou un trésor, quoi. Donc, je les prends histoire voilà, de supprimer ça. Bon, j'espère que tu me trouves des trucs bien. Un calcaire, ouais, c'est bien. Bon, on en a déjà trouvé deux. Est-ce qu'on a trouvé d'autres rochers de machin? On a trouvé un autre simanite. Super. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais ouais. Moi, plus ils m'en trouvent, mieux c'est, hein. Comme je dis, après, soit je les envoie à la géologie, soit on les raffine, tout ça, donc c'est bien. Allons-y pour les fossiles. Oh, on a réussi la... Non! C'est celui-là le tout dernier. C'est celui-là qui nous manquait, l'énorme tribolite. Mais c'est génial, on a complété une autre collection. J'y croyais pas, hein. Je vous dis tout de suite. Les cristaux, nous avons bien eu donc la jonquille qui était rare et le diamant. Mais ça, on l'avait déjà la dernière fois. Il nous en reste toujours deux. Ah oui, il faut que je voie pour les deux d'au travail. Et trois autres qui sont un rare et deux communs. Donc ça, c'est dommage parce qu'on les a pas. Au niveau des éléments, il nous en reste... Alors, oui, ça on l'a, hein, d'accord. Il nous en reste donc trois. Pareil avec un qui vient avec au travail. Ah, mais non! Non, 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 les fossiles, c'est pas complet. Il nous en manque un de Salvadorada. Oh, la fausse joie! Mais enfin, il m'en reste qu'un Salvadorada, quoi. C'est déjà super. Du coup, ben, je vais en profiter pour vendre tous les fossiles qu'on avait déjà, parce que ça sert à rien de les garder. Ça embrouille encore plus mon petit inventaire 2.0, même si j'ai du mal à utiliser l'inventaire 2.0. Je vous le dis tout de suite. Franchement, je garde tout en vrac, parce que je m'y retrouve mieux au final. Donc, oh, 500, c'est plus, la vache. Mais au moins, voilà, c'est plus clair pour moi. D'ailleurs, tout ça aussi, je vends. Hop, allez, 840, c'est plus. Il nous reste les reliques et du matos d'aventure et toujours des trucs à découvrir ici. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il était mort de fatigue. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, fais la vaisselle et tout et puis tu pourras être couché. Et puis voilà, ce sera bien pour cet épisode puisque bah, tout simplement, au prochain, on se retrouve déjà dans la jungle pour une période de 7 jours avec peut-être encore une fois 4 temples à visiter. On verra bien hein, parce que c'était pas mal la dernière fois. 4 temples, on a vu beaucoup de trésors, donc c'était vraiment une très très belle avancée. En attendant, moi je vous embrasse, j'espère que cet épisode vous aura plu. Bah, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, partager partager ma chaîne tout simplement. Et regardez des pubs sur YouTube. Je vous fais des très gros bisous, à la semaine prochaine, ciao!